Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Guy Roger, namasté. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Donc Guy Roger qui a nous fait l'honneur et le plaisir d'être présent avec nous ce soir. C'est une première sur la chaîne YouTube Eveium et me fait vraiment très grande joie que de vous présenter Guy que j'ai découvert récemment grâce à sa chaîne YouTube Zone Libre. Alors voilà, on a un petit horaire inhabituel, on va dire, pour les habitués de la chaîne Eveium, car nous sommes voilà 18h30, parce qu'il y a un décalage horaire aussi avec la réunion. Il y a 2 heures de décalage. Et donc voilà, 3 heures, à 3 heures de décalage, d'accord. 3 heures. Ah, Il ok, est 20, merci. 21h30. D'accord. Donc, cette conférence est intitulée donc voir et vivre la vie telle qu'elle est. J'ai envie de dire en toute simplicité, et elle va se présenter plus sous la forme d'un satsang, voilà, d'un échange entre moi et Guy, vous et Guy, une sorte de causerie, si on veut, en toute simplicité, sur voilà cet aspect des choses. Donc Guy Roger, il est bien connu à La Réunion. Il est écrivain, auteur, et voilà, il aime également à partager, à philosophie, à philosopher et à partager ses compréhensions au sujet de voilà de la vie, en toute simplicité. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. On est là pour échanger quelque chose ce soir tous ensemble. Guy, merci infiniment de ta présence. Donc, je te laisse à Merci. présent la parole. Merci. Ben en fait, ouais, je te remercie de m'inviter sur ta chaîne, hein. Je suis très content de pouvoir faire ça parce que je trouve que nous, les humains, on a besoin de ce contact, quoi. Puisque nous vivons dans un monde aujourd'hui, je ne sais pas, on a tous pu le remarquer, il y a ce phénomène d'individualisation où tout le monde regarde midi à sa porte, on s'enferme dans sa bulle. Et en fait, on ne se connaît pas parce que on se méfie les uns des autres et puis il n'y a pas cette ouverture en fait. Et cette ouverture, elle est cruciale pour qu'on puisse apprendre à mieux se connaître. Parce que c'est dans l'ouverture qu'on apprend vraiment à se connaître les uns et les autres. Il n'y a pas d'autre façon. À part à travers la relation qu'on a de se comprendre, de se connaître, parce qu'on est en interaction. Et dans l'interaction, eh ben, il y a l'échange. Et cet échange résonne en soi. Tu vois. Mais je crois qu'on a tous compris que, en fait, il y a derrière tout ça une résistance, parce que, en fait, quand on s'enferme dans sa bulle, on est bien dans cette petite bulle, on a tout ce qu'il faut, on est en sécurité, on se donne une zone de confort pour ne pas être dérangé, puisque chacun d'entre nous, on aime bien vivre cette petite vie individualisée, parce que ça a été programmé à travers les générations d'avant. Tout le monde a dit comment tu devrais être, comment tu devrais réussir, comment tu devrais vivre ta vie, comment tu dois te comporter, il faut être gentil, il ne faut pas être méchant, tout ça. Et tout le monde apprend comment il faut être. Mais en fait, on ne sait pas qui on est. Parce qu'on nous a appris à être ce qu'on doit être. Et là, on a un gros souci pour la plupart d'entre nous qui faisons cela. Et ce n'est pas un problème, parce que je veux dire, le problème, c'est quand on ne le remarque pas. C'est ça le problème. Le problème, c'est de voir vraiment où est l'illusion. L'illusion de croire qu'on est quelque chose qui existe à travers une image de soi. C'est-à-dire, on se donne une apparence. Dans ce monde, on est souvent dans l'apparence. Et on essaye de montrer à l'autre ce que l'autre veut voir. Et à cause de ça, ben, le contact ne se fait pas.
Et on est malheureux, pour la plupart, qui faisons ça, parce que nous ne sommes pas en direct, en lien direct avec les uns et les autres. Nous nous regardons les uns et les autres à travers ce qu'on aimerait voir. On regarde l'autre et on dit, ça c'est ma femme, ça c'est mon enfant, ça c'est mon patron. Et puis on regarde l'autre à travers ce qu'on a appris de lui. Mais on ne le connaît pas. Et pour connaître quelqu'un, il faut que tu sois libre de l'image que tu prônes, que tu veux montrer, et que tu sois ouvert pour que l'autre puisse accueillir cette ouverture. Et ça, c'est la chose probablement dans notre société la plus difficile à faire que d'être terriblement sincère avec soi-même. Terriblement sincère. Parce que tout nous pousse à ne pas l'être. Parce que ce que nous sommes, figure-toi, que ce que tu es et ce que je suis ici, nous avons hérité ça de la race humaine avant nous. Toutes les pensées que nous avons, toutes les attitudes, les comportements, tout ce qu'on croit, tout ce qu'on pense, tout ça, c'est l'héritage de tous les êtres humains avant nous qui nous ont refourgué tout ce qu'on devrait savoir. Et de génération en génération, on se les a ramassés, tout ça. Et on s'est dit, ben, on va continuer. On le dit à nos enfants, ben, va à l'école, apprends bien, tu auras une belle voiture, une belle maison, tu seras heureux. Mais en faisant ça, ben, on perpétue toujours le même conditionnement. Et là, il s'agit de voir comment faire pour sortir de ce train-train, de cette habitude, de cet engrenage. Parce que c'est un engrenage, c'est un enrôlement. L'esprit est enrôlé dans la pensée qui est compulsif et qui se répète tous les jours. Et là, on a un gros souci parce que on s'est déjà pris soi-même pour la pensée, c'est-à-dire on s'est identifié à cette pensée, et cette pensée ben, nous dicte ce qu'on doit faire. Et on croit que c'est la bonne chose à faire parce que c'est la pensée qui nous l'a dit. Mais c'est quoi une pensée? La pensée, c'est quelque chose qui est futile, qui passe, qui revient, qui est tout le temps là. Et t'en as plein dans le crâne, dans la mémoire. Et ça s'arrête jamais. Ça tourne en rond comme un petit abcès. Ça court, ça court, ça court. Et moi, je dirais ça, c'est très important d'aller voir comment ça fonctionne, ces pensées. Parce que ces pensées sont l'héritage de nos aïeux. Tout ce que nous avons, nous, les humains, en commun, c'est ce que nous avons vécu avant et nous avons récupéré de toute la race humaine avant nous, comment la vie, elle devrait être. Donc, ce que nous savons, c'est un paquet de mémoires qui nous dicte la vie, comment elle doit être. Donc, on vit cette vie à travers tout ce qui nous a été dicté. Donc, la vie en elle-même, elle n'est pas vécue. Mais on vit la vie qui doit être vécue. Parce que on a des références. On a appris que c'était comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. On s'en est rappelé. Donc tout ça, ça forme notre mémoire. Et on est devenu tout ce qu'on a vécu, c'est-à-dire mon enfance, ma mère, mes enfants, ma maison, mon argent, tout ça, on s'est affilié à ça, on s'est attaché à tout ça, et on est devenu tout ça. C'est l'extension de soi-même. Nous sommes tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons, tout ce que nous vivons autour de nous, ma maison, ma voiture, tout ça, c'est une extension de ce que tu es, parce que tu t'es identifié à ça. Et tu t'attaches. Mais est-ce que c'est possible de ne pas s'y attacher? De ne pas s'identifier à ça? Est-ce que c'est possible? Est-ce que tu t'es déjà posé cette question? Si c'est possible de vivre libre? Libre de tout conformisme,
de tout ce qui doit être vécu comme la norme l'a prescrite. Parce que la norme nous le dit, c'est comme ça. Et nous sommes formatés par la norme établie, par la volonté collective. Parce que c'est, on est entraîné dans un courant et tout le monde nous embarque dans ce courant. Et si tu ne fais pas ça, ben tu es rejeté. Tu es mis de côté. Et toi, tu as peur d'être mis de côté. Tu veux être aimé. Parce que c'est en étant aimé que tu t'aperçois que tu existes. Donc tu as peur de ne pas être aimé. Parce que autrement, tu n'existes pas au regard des autres. Donc, l'autre devient très important pour toi. Et tu cherches ton bonheur à travers ce que l'autre prévoit. Et là, il y a un problème, parce que il y a déception après déception. Il y a frustration parce que l'autre ne fait pas ce que tu veux. On est 7 milliards sur la planète. Et aucun des personnes qui vivent sur cette planète, parmi ces 7 milliards, qui seront à ton goût à 100%, il va te décevoir. C'est pas sur personne que tu dois mettre ta confiance. C'est sur toi-même. Il faut que tu fasses confiant en la vie qui se joue en toi. C'est la vie. C'est pas l'autre. L'autre, il a sa vie. Et il vit sa vie dans son monde, dans sa bulle. Mais toi, tu dois être libre du besoin de ce qui vient de l'extérieur de ta peau. Parce que tout se passe en soi. Donc, toutes les pensées qu'on a, tout ce qu'on a pu accumuler à travers des décennies, à travers toute notre existence, à travers toutes nos expériences, ce que nous avons amassé, eh bien, c'est ce que tu es aujourd'hui. Parce que tu t'es identifié à ça. Mais pose-toi la question, est-ce que ça, c'est vraiment ce que tu es? Au fond de toi, tu le sais. Mais toutes tes réactions sont faites à partir de ce que tu penses. Et comme tu t'es identifié à la pensée, donc le penseur devient la pensée. Et la pensée est mise sur un piédestal. On aime bien penser. La pensée a pris beaucoup d'importance. Alors que la pensée dans notre monde n'est que utile quand elle est utilisée pour fonctionner dans la vie de tous les jours. Pour avoir un contact avec ce que on doit faire pour exister, pour vivre, pour nos enfants qu'on a besoin d'éduquer, pour leur montrer comment ne pas mettre le doigt dans la prise de courant. À ce moment-là, c'est pragmatique. La pensée est utile à ce moment-là. Mais quand tu dis « je voudrais être bien parce que je suis mal aujourd'hui », tu crois que c'est la pensée qui va te sauver? Justement, c'est la pensée qui t'enfonce. Parce que tu te donnes l'impression que avec ce que tu sais, tu peux faire un monde. Tu te donnes un espoir avec tout ce que tu sais. Mais ce que tu sais, ce n'est que le passé. C'est rien d'autre que du passé. Qui est fini. Là, maintenant, il n'y en a pas. Là, maintenant, c'est mort, tout ça. Il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. Il n'y a rien d'autre que ce qui coule là, maintenant. Et ce que tu es pour de vrai, c'est ça. C'est ce qui coule là. Et rien d'autre. Mais ce que tu es identifié avec, ben, ce sont des choses, des références de ton passé, tout ce que tu as vécu. Donc, tu prends note de ça, parce que tu as peur de l'inconnu. Tu vois, si tu es dans l'inconnu, ben, tu ne veux pas vivre
avec de l'angoisse. Donc, tu as des références. Et tu prends ces références comme si elles étaient pour toi, ton salut. Donc, tu vois, tes conclusions, tout ce que tu sais, ta croyance, tes envies, tout ça fait de toi l'ennemi de toi-même. Parce qu'à partir du moment où tu as une croyance, alors cette croyance, toutes ces idées que tu te fais, que tu te donnes d'avoir pour pouvoir te consoler de la vie qui n'est pas libre en fait, que tu es enfermé dans cette petite bulle que tu t'es construite, eh bien, tout ça t'empêche de voir ce que tu es vraiment, d'être ce que tu es vraiment. Et ce que tu es, c'est une émergence qui se trouve au-delà de toutes les pensées. Quand tu comprends, quand tu réalises que tu n'es pas ce que tu penses, que en fait toute ta vie, tu t'es menti en fait sur toi-même, tu ne t'es pas regardé en face, tu n'as jamais voulu être en face de toi-même. Mais dès le jour où tu vois qui tu es, et bien toute cette effervescence pour pouvoir arriver à être ce que l'on aimerait être s'évanouit, il n'y en a plus. Et à ce moment-là, tu es libre d'être ce que tu es. Mais il faut que tu découvres qu'est-ce qui t'empêche d'être ce que tu es. C'est parce que tu es identifié à quelque chose que tu n'es pas. Ça me fait penser, oui, c'est la peur racine. Derrière tout ça, il y a une peur racine aussi qui fait que c'est la peur de la mort. C'est la peur racine à guérir et qui permet justement de ne plus manifester, créer dans son mental ces mécanismes de protection, d'identification. Donc, que ce soit l'identification au corps, l'identification à la pensée, l'identification à ce qu'on croit être, l'identification aux mémoires, au passé, parce que comme tu le dis, il n'y a que cet instant présent qui est ce flux divin, qui est l'esprit, qui s'exprime à travers notre corps. C'est l'esprit qui prend forme et le verbe qui se fait chair. Et je pense que le fait de guérir cette peur racine est vraiment utile justement pour se libérer aussi de ces mécanismes d'identification. Parce que finalement, jamais notre mental humain limité ne pourra identifier ce que l'on est en réalité. C'est ça. Jamais. Parce que déjà, c'est quelque chose de vivant. Et quelque chose de vivant, ça bouge, ça change. Et comme la pensée, elle est stagnante, elle est divisée, elle ne peut pas voir que ce qu'elle connaît. Donc, elle a toujours besoin d'apprendre. Donc, elle ne peut pas définir ça. En fait, avec le mental, on ne peut pas définir l'univers. On ne peut pas prendre un double décimètre et mesurer l'univers. ça n'a aucun sens, tu vois. Et moi je dis que ce que tu es là, c'est l'univers, et tu as les yeux de l'univers pour regarder la vie avec laquelle tu vis là aujourd'hui, tu vois. Et les yeux que tu as dans lesquels tu t'es identifié avec, ce sont les yeux matériels avec lesquels tu as appris. Ce sont des yeux de ce monde. On regarde, on apprend et on comprend et on vit avec ça. Mais ce que tu es pour de vrai ne voit pas les choses comme ça. Donc il faut que tu t'habitues à sortir de ce carcan où tu regardes les choses avec la mémoire, avec tout ce que tu sais, mais avec une émergence qui coule. Et ça, c'est la perception que tu as quand tu es libre de toutes les pensées que tu as.
Ouais. C'est vrai que souvent, hein, de nombreux êtres en parlent. Ça passe par une sorte de mort aussi. Oui. C'est la mort de ce qu'on croit être, de C'est ce ça. qu'on a appris justement, et de ce qui est présent aussi dans nos cellules, parce que nos cellules, nos ADN contiennent des mémoires, et même notre âme contient des mémoires aussi expérientielles. Eh bien, quand on désapprend tout ce qu'on croit être, eh bien, on s'ouvre à plus, on s'ouvre à plus grand, et on s'ouvre justement au nouveau, à l'inconnu, sans peur, parce qu'on sait déjà, entre fort intérieur, ce que l'on est, et qu'on est le divin, le flux divin, qui se manifeste dans la forme, dans la matière, l'esprit. Et ça passe donc par moi, ce que j'appelle la mort de l'ego. C'est ça. Donc, est-ce que tu, qu'est-ce que tu en penses? Écoute, tu sais, ce que tu dis, c'est très intéressant parce que, en fait, la peur, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas beaucoup. Pour la plupart, quand il y a une peur en soi, ben, on fuit. On met la couverture sur la tête en espérant que ça se passera bien, tu vois, que tout disparaîtra. Mais ça ne se passe pas comme ça. Quand on fuit quelque chose, ben, le phénomène, il est toujours là. La peur, elle est toujours là. Donc, cette peur, je dirais ancestrale, inconsciente, que nous avons tous, cette peur de la mort, cette peur de ne pas être quelqu'un, okay? Parce que c'est ce qu'on a peur. On a peur de ne pas exister. Et on a appris à exister à travers le regard de l'autre. Donc, cette peur que tu es, parce que cette peur, quand tu as peur, tu dis j'ai peur. Donc, tu t'es encore identifié à la peur. Mais tu peux te regarder la peur avec en t'élevant au-dessus de ce que tu vis, comme étant un témoin, et de pouvoir consulter cette peur, de pouvoir la regarder comme elle est. Et ne pas dire que c'est bien ou c'est pas bien. Juste d'accepter de voir ce qui se joue là, à ce moment-là. À ce moment-là, tu n'as pas peur de faire ça. Parce que tu n'es pas celui qui joue le rôle de celui qui a peur. Tu es celui qui est le témoin de la vie qui se joue. Wow. Et la vie que toi, tu as, c'est justement cette vie dans laquelle tu t'es identifié, tu n'es pas ça. Donc, ce que tu es est témoin de tout ça. Par contre, si tu es en train de jouer le rôle de celui qui joue cette vie-là, tu ne peux pas être le témoin. Tu ne peux pas regarder la peur de cette manière. Tu vas toujours subir parce que tu t'es identifié à ça. Et la peur, ça fait peur. Ça fait peur. Ça fait peur d'avoir peur qui fait peur, tu vois. Donc on vit tout le temps en train de fuir quelque chose qu'on ne veut pas voir, parce que tu t'es identifié à elle. Mais une fois que tu t'élèves au-dessus de la scène, tu peux voir qu'est-ce qui se passe. Et tu peux regarder la vie que tu mènes et voir toute la futilité, le mensonge que tu te racontes. Parce que tu veux garder, tu vois, ce qui te réconforte. C'est ça qui nous fait peur. C'est de quitter ce qu'on a gagné. Parce que ce qu'on a gagné, ça te fait exister. Et ça te soulage de te dire, ben, je suis quelqu'un. Je suis pas rien finalement. Mais ce que tu es, c'est rien. Il n'y a pas moi. Il n'y a pas toi. Il n'y a pas tout ça. Ça, c'est quelque chose qu'on a inventé pour pouvoir paraître aux yeux d'un monde qui te demande d'être ce que tu dois être. Tu vois toute la problématique que nous avons? Mais le truc, c'est que nous sommes chacun capable d'aller inspecter, d'aller nous connaître comme ça. Ça s'appelle la connaissance de soi. Et ça, c'est pas la chose la plus facile.
Parce que quand tu rencontres soi, qu'est-ce que tu rencontres? Faire la connaissance de soi, d'accord, mais qui est soi? Soi, c'est celui que tu t'es fabriqué. Et quand tu as compris que tu as débusqué celui qui t'empêche d'être ce que tu es pour de vrai, alors certainement, ce n'est pas la chose la plus belle que tu puisses voir. Parce que quand tu rencontres ce que tu es par rapport à tout ce que tu veux être, toute l'apparence que tu te donnes, tout ça, c'est laid, c'est un mensonge. Et le monde te dit, la volonté collective te dit, non, sois gentil, sois bien, sois ce que nous voulons voir, c'est que tu sois joyeux, heureux et tout ça. Mais tu ne l'es pas. Donc tu joues le rôle de celui qui est joyeux. Tu joues le rôle de celui qui est gentil. Tu joues le rôle de celui qui est bon. Mais en fait, tu es faux. Et c'est ça notre grand souci. C'est que quand tu as débusqué toute cette fausseté et que tu as accepté de le regarder tel que c'est, sans te dire que c'est bien ou c'est pas bien, mais tu regardes ce que tu es pour de vrai, à ce moment-là, ben, il y a une libération qui se fait. Tu es libre de tout ce que tu t'es construit, en fait, qui n'est pas toi. Parce que tu l'as vu. Tout simplement parce que tu l'as vu. Exactement. C'est ça. C'est quelque part, ça me fait penser ce que tu dis à la contemplation. Au fait de rester dans cette immobilité, dans ce silence, et de s'auto-observer, d'observer le personnage, d'observer ce qui se joue, mais sans que ce qui se joue ou ce qui se vit n'ait aucune emprise sur le fondement même de ce que tu es, qui est ce rien que tu dis, ce silence, cette paix, cet amour, ce qu'on peut identifier comme ça, mais voilà, qui est indéfinissable, sur lequel tout glisse, sur lequel rien n'adhère. C'est ça. Et ce rien, c'est tout. Parce que tout se joue dans ce rien. Et ce rien, il contient toutes les possibilités de tout ce qui est. Il est tout ce qui est. Mais ça, comme tu dis, ça change tout le temps. Parce que la vie, dans la manifestation, dans l'expérience, c'est le mouvement. Mais il y a quelque chose qui ne change jamais. C'est ce moment, j'ai envie de dire, qui n'a ni début ni de fin, qui est celui de la conscience de l'observateur, celui qui est. Et qui observe et qui ne change jamais. C'est ça. Figure-toi que depuis qu'on est tout petit, on est dans ce monde et on grandit. C'est nous qui changeons. On change parce qu'on a appris des choses, on se donne de la valeur et on se marie, et puis on a des problèmes, on a changé. Voilà. Mais il y a quelque chose que tu n'as jamais changé. Ce que tu es là, ça a toujours été là. Sauf que tu as mis des couches dessus et où tu as oublié ce que tu étais. Et maintenant, là, on est en train de se parler ensemble et on réalise que toi et moi, tout le monde, chacun d'entre nous, pour la plupart, je dirais, pour la plupart, on est conditionné à encore se mettre des couches dessus pour pouvoir esquiver la brutalité de ce que nous avons construit. Parce que nous avons construit cette vie. Et cette vie nous impacte. Ce sont des boomerangs que nous avons lancés comme ça. Et ça nous revient en pleine figure. Que tu aimes ou pas, tu récoltes ce que tu as semé. Alors moi je dis, arrête de semer peut-être. Parce que le problème, c'est que nous voulons toujours semer ce que nous aimerions, tu vois, mais nous ne récoltons pas ce que nous aimerions. Nous récoltons des problèmes, nous récoltons des souffrances. Donc si tu ne sèmes plus, si tu ne demandes plus rien, si tu n'attends rien, si tu ne désires rien, ben, tu n'as plus de problème. Tu n'as plus de problème. Parce que tu es calme, tu es dans le silence. Et tu es dans un fort intérieur, là où est ce calme-là, là il y a toute ta force.
Et c'est à partir de là que tu crées l'ambiance pour que, je sais pas, les gens ont envie de s'aimer. La vie que tu fais avec ton entourage, tout ce que tu dis, tout ce que tu penses, tout ça, n'a plus d'impact sur l'environnement. Mais tu crées une autre dimension, carrément. Mais d'où vient cette autre dimension? Ce n'est pas la dimension où tu vis avec toutes les différences. Dans cette dimension, il n'y a pas de différence. Tout est un seul tout. Et ça a toujours été comme ça. Mais nous avons cru qu'on peut diviser. Il y a toi là-bas, moi ici. Donc on se divise. Mais ça c'est bien, ça c'est pas bien. On a divisé, on a comparé, on a critiqué. Donc on ne voit plus les choses comme elles sont. On voit les choses comme on a fait en sorte qu'elles devraient être. On dit ça, c'est Miss France. Et elle n'est pas en France. Hein? Ça fait qu'il y en a une qui est aimée et l'autre, ben, elle est foutue de côté, quoi. Tu vois, nous sommes intéressés par la comparaison que nous faisons. Donc, nous ne voulons pas être ce qui est désagréable aux yeux du monde. Donc, tout le monde veut être riche. Tout le monde ne veut pas être pauvre. Tout le monde veut que les choses soient à son goût. Et ce goût-là, c'est ton désir. C'est ton désir d'exister pour être conforme à la norme d'une société. Tu vois, on est dans un engrenage. Et sortir de là, c'est la plus belle chose qui puisse t'arriver. Sortir de là, ça veut dire que tu comprends que tout ça, c'est futile, c'est faux, c'est pas vrai. Parce que tu l'as inventé. Le monde l'a inventé et on est dans un monde d'illusion où tout le monde invente et tout le monde dit que tout va bien, mais en fait ça ne va pas bien. On se fait croire que ça va bien avec nos illusions parce qu'on a du réconfort, on s'est mis en sécurité avec ma voiture, ma maison, mes affaires, ma petite femme. On se croit en sécurité et chacun regarde midi à sa porte. Et après qu'est-ce qu'il y a? Ben, il y a de la méfiance parce que cette sécurité elle n'est pas vraie. Tu as peur d'être dérangé. Il n'y a pas de sécurité dans ce monde où tu te fais une bulle. C'est en dehors de la bulle que se trouve la sécurité. Là où on s'aime, où on s'entend, on se comprend et on est unis. Mais autrement, il n'y a pas de sécurité. C'est une illusion. On se raconte des histoires. Et c'est des histoires qu'on se raconte depuis longtemps, mon ami. Ben écoute, moi je suis vraiment raccord avec toi. Tu vois, pour moi, le monde, oui. On peut pas dire il va bien ou il va mal. Il va, parce que le monde c'est une projection de chaque individu, tu vois. C'est ça. Mais quand tu es dans cet état où tu n'es plus dans le jugement justement, où tu t'es extirpé. Des jugements et des concepts où tu dis, même si c'est vrai que c'est dur, hein, des fois, moi-même, souvent, je me dis, ah punaise, c'est dur de voir ça, je comprends pas, etc. Ouais. Mais si vraiment on va au-delà de tout ça, eh ben, le monde, il va ni bien ni mal. C'est-à-dire qu'il va parce que il a une projection, il est comme il est parce qu'il a une projection de tous les êtres qui la composent, donc de la conscience individuelle des êtres qui se manifestent dans une conscience collective. Mais quand tu as conscience que toi, tu n'es pas ça, et que toi, ce que tu projettes, ce n'est pas ce que le monde te renvoie. À ce moment-là, tu n'as plus ce miroir s'effondre parce que tu vois que le jeu est une illusion et que c'est un jeu évolutionnaire qui, justement, t'a permis de faire cette expérience d'identification, de l'ego, de la peur de la mort, de croire ceci, de croire cela, de ne pas croire ci, de trouver ceci ou cela. Et finalement, ce monde, il t'a servi aussi en ce sens que ça t'a permis de cheminer au sein de ta conscience humaine pour t'extirper de ces concepts et de t'extirper de ces chaînes, les chaînes de cette matrice, les chaînes de ce monde, en prenant conscience que tu n'es rien de cela.
C'est ça. Et ça, c'est magnifique parce que à ce moment-là, tu deviens, tu t'extirpes aussi de la souffrance C'est quelque ça. part parce que tu ne souffres plus pour les autres. Ce qui ne veut pas dire non plus que tu ne sois pas compatissant avec la souffrance du monde, parce que par la présence, par la vibration, tu es un être d'amour, tu es un être de lumière, et ta présence permet de guérir. Et d'améliorer le monde, de le rendre plus réel, justement, de Oui. se défaire de ce rêve qui s'effrite. Par contre, tu n'es plus dans le fait de souffrir pour les autres, mais tout en étant quand même dans la compassion. C'est ça. Cette compassion, elle est très importante, c'est sûr, mais on ne peut pas la voir, cette compassion, à partir du moment où celui qui souffre, il ne peut pas avoir la compassion. Quelqu'un qui souffre, il ne peut pas aimer. Donc, il faut déjà que tu sois libre de cette souffrance. La souffrance, c'est quoi? Eh bien, c'est l'attachement entre ce que tu penses être bien ou pas bien. Donc, tu t'attaches au bien ou au mal, comme tu veux, hein, mais tu t'attaches à quelque chose. Donc, moi, je dis qu'il faut ne pas s'attacher. Il faut que tu voyes au-delà de tout ce qui est bien et ce qui est pas bien, au-delà de toutes les différences. Ton esprit est au-delà de tout ça. Tu ne rentres plus en conflit avec ce que tu penses, comment les choses devraient être ou paraître. Tu n'es plus en conflit. Donc, à ce moment-là, il est possible que la souffrance s'en aille parce que tu ne la convoites plus. Tu ne te donnes plus le choix que d'être libre. C'est parce que tu ne veux rien, tu n'attends rien, tu ne demandes rien à qui que ce soit sur la planète. Parce que moi, personnellement, Nicolas, je ne pense pas que je suis là pour sauver le monde. Il n'y a personne qui doit sauver le monde. Le monde, il est dans un pétrin pas possible. Mais ce que tu peux faire, c'est te sauver de tout ton désharmonie et d'être en ordre toi-même, tu sais, avec toi-même, trouver la paix, tu sais, et à ce moment-là, tu ne fais plus rien pour mettre du désordre, pour continuer à perdurer le désordre. Et chacun d'entre nous, on a cette responsabilité de ne plus pratiquer ce que le monde attend de toi. Parce que quand tu pratiques ce que le monde demande quoi? Tu dois réussir, tu dois gagner, tu dois être grand, fort, merveilleux, un héros. Mais tu n'es pas cela. Ça, c'est ce que le monde te demande d'être parce qu'ils ont envie d'être sauvés. Mais tu n'es pas le sauveur du monde. Chacun doit se sauver par sa propre compréhension. Il n'y a personne qui viendra nous sauver. Sur cette planète Terre, tu es le seul qui peut sortir de tes problèmes en voyant que c'est faux. Maintenant, ça te demande une grande diligence, une grande attention, parce que tout ce que tu te racontes, tu crois que c'est vrai. C'est ça. Et quand tu as compris que ce que tu te racontes, c'est quelque chose que tu as sorti du passé pour te réconforter, alors peut-être que là, il y a déjà une ouverture. Et tu vois, cette ouverture, elle vient souvent chez chacun d'entre nous parce qu'il y a eu de la souffrance, parce que nous avons passé nos vies à souffrir de ne pas être libres. Et toute la vie t'apporte ça, te dit, écoute, laisse tomber, vis la vie, passe au-delà de tes peurs. Et il n'y a que toi qui peux faire ça. Bien sûr. Si tu es comme ça, bien sûr, tu vas donner le là, hein, autour de toi. Les gens, ils ne vont pas avoir peur de toi parce que tu les accueilles. Tu accueilles tout. Tu accueilles le grand, le vilain, le gros, le riche, le pauvre, l'assassin, le bon, tout. Tu acceptes tout. Tu ne dis pas que c'est bien ou c'est mal. Parce qu'à partir du moment où tu dis que c'est bien ou c'est mal, ben, il y a de la division. Et c'est toi qui crée encore la division. Donc ça se passe en soi. C'est soi de changer. Et quand tu as vu que tu es un seul tout, tu es en connexion avec l'entièreté de l'univers,
tu n'es pas divisé avec ce que l'univers est, parce que l'univers ne peut pas être divisé, c'est ta tête qui divise. Donc tu arrêtes cette histoire avec ta tête là, et tu laisses les choses être comme elles sont. Et ça, c'est un esprit qui est libre de tout le regard matériel qu'il a appris, de tout le conditionnement que tu as de juger, de contrôler, d'arranger les choses pour être à ton goût. Parce que rien ne peut être à ton goût à 100% de toute façon, que tu aimes ou pas. Il n'y a rien sur la planète qui sera à ton goût. Tout ce qui se trouve à l'extérieur de ta peau, c'est ce que tu es. C'est ce qui est sorti de nous, les êtres humains, et on a fabriqué un monde. Et ce monde, il est imparfait. Ce monde, il est plein d'anomalies. Parce qu'on l'a divisé. Parce qu'on l'a fait avec des têtes qui divisent. Avec des pensées qui divisent tout. Donc, le fait de savoir que ce que tu es est ton propre ennemi, mais ça peut peut-être t'aider. Va voir donc qui tu es. Apprends. La connaissance de soi, c'est le début de la sagesse, ça. Parce que tu vois qui tu es, et quand tu as vu qui tu es, eh bien, tout de suite, l'illusion s'en va. Nicolaïa, c'est comme quand quelqu'un croit au Père Noël. Un jour, on lui dit « c'est pas vrai ». Mais qu'est-ce qui se passe avec l'histoire? Ça n'a plus de sens. L'histoire n'a plus de sens. Ouais. C'est plus marrant, c'est vrai. Il n'y a rien à gagner. Justement, nous, on veut faire les choses parce qu'il y a quelque chose à gagner. Oui. Même aujourd'hui, on dit « je t'aime à condition que… » Donc, c'est devenu un commerce. Tu sais, on vit dans un monde où tout est commercial. Je t'aime, mais qu'est-ce qu'il y a à gagner? Qu'est-ce qu'il y a à gagner? Moi, je veux quelque chose. Donc, on aime à condition que. On ne sait pas, parce qu'il n'y a rien à gagner dans être joyeux, être soi-même. Il n'y a rien à gagner. Tout, au contraire, comme tu disais tout à l'heure, il faut mourir à tout ce que tu aimerais avoir. Tous tes petits péchés mignons, tout ça, là. Il faut que tu abandonnes tout ça. Parce que ça fait partie de tes compulsions. Et la compulsion, c'est inconscient, tout ça. Et quand tu es inconscient, ben, tu fais des choses, tu ne veux pas, mais tu fais quand même. Parce que tout le monde le fait. Donc, on est dans un monde où tout le monde emboîte tout le monde, tu sais, enrôle tout le monde pour faire tout ce que le monde fait déjà. Et tout le monde croit que c'est normal. Mais là, toi et moi, on est en train de parler de quelque chose de complètement radical. Parce que là, on est en train de remonter le courant de tout ce que l'humanité a proposé. On dit ne coupe plus pareil, ne fais plus pareil. Arrête, stop. Rebouche chemin. Oui, ben, c'est certain que le monde, on le sait, hein, Guy, il a été basé, il est biaisé. Par aussi des programmations qui sont là depuis des centaines de milliers d'années, qui sont hors monde aussi, qui nous ont été aussi proposées ou imposées ou impulsées, on peut dire comme on veut, par des êtres hors monde, qui ont joué un rôle aussi sur notre mental, sur notre manière de penser, sur notre état d'être, justement, à travers les programmations qui sont dans nos cellules, dans notre ADN, sur notre cerveau même. C'est-à-dire que notre cerveau, il a été quelque part modifié pour nous donner un état d'esprit spécifique qui était favorable à cette programmation. Et on peut s'extirper tout ça, peut se déprogrammer son cerveau, déprogrammer justement en guérissant tout ça. Et moi, je suis très adepte, tu vois, Guy, en ce moment. Alors, c'est un chemin, je ne suis pas venu comme ça. Ça fait des années que je chemine, je cherche qui je suis, qu'est-ce que je suis, comment j'évolue, etc. Et en ce moment, j'arrive vraiment où j'ai vraiment envie d'expérimenter le silence, tu vois. Vraiment rester dans le silence, me poser, juste être dans cette conscience d'observation. Alors le silence, ça ne veut pas dire être attentif, être inattentif, ou c'est-à-dire somnoler, hein, si on veut. C'est vraiment être présent, mais
vraiment être dans la présence détachée, libre de tout jugement. Et voilà, sans juger ce qui se passe, juste accueillir, j'ai envie de dire, ce qui vient. Et Dieu sait que c'est pas toujours facile du tout que d'être dans cet état-là, surtout en fonction aussi de nos circonstances extérieures. Mais aussi quelque part, si ces circonstances extérieures, elles sont là, eh bien, voilà, en tant que co-créateur, j'ai envie de dire, on a aussi un rôle là dans, bien sûr, dans ce que l'on vit, puisque justement, je voulais te savoir avec toi ce que tu en pensais. Certains êtres disent, tu es responsable à 100% de ce que tu vis. Tu es responsable à 100% de ce que tu vis. Qu'est-ce que tu en penses? Même à 200%. Non. Mais en fait, pourquoi on dit ça? Souvent, j'entends ça. On est responsable, bien sûr qu'on est responsable. Parce que les émotions que tu as, elles sont à toi. D'accord? Ce que tu vis à l'intérieur de toi, c'est toi qui vis ça. Donc, tu es responsable de ce qui se passe. Si quelqu'un te met en colère, et tu dis, je suis en colère à cause de lui. Donc tu vas vouloir faire une action pour que lui, l'autre là, il change, il devient gentil. OK? Donc, mais la colère en attendant, elle est en toi, la déception, et tout ça, c'est en train de te ronger. Moi, je dis, regarde pas le monde à l'extérieur de ta peau. Tout se passe en soi. Il n'y a rien d'autre qui se passe à part cet instant qui coule. Ça, c'est la vie. Ça, c'est le vivant. Tout le reste, c'est du passé. C'est de l'illusion. Donc, si tu veux te baser sur l'illusion, oui, tu peux. Et c'est ce qu'on fait. Pour la plupart d'entre nous, aujourd'hui, dans le monde, on est en train de trouver le responsable. Le responsable de la guerre, le responsable de ceci, le responsable de cela. Mais nous sommes responsables de la vie qu'on veut. Parce que si c'est pas toi qui l'a fait, qui va la faire pour toi? Qui? Il n'y a personne qui va te donner un monde où tu seras heureux. Le monde où tu seras heureux, c'est à toi de le fabriquer. Et tu le fabriques comment? En te sortant de tout ce que tu connais et en étant présent. Et cette présence, c'est la vie qui coule. Donc, à ce moment-là, tu n'as plus rien à faire en tant que personnage. C'est la vie qui fait la vie. Tu es la vie et tu laisses ça être. C'est ça le silence. Être dans le silence, ça veut dire laisser être ce que tu es. Et ce que tu es crée l'ambiance pour qu'on soit tous unis, heureux et joyeux. Autrement, ben, tout ce qu'on voudra faire qui sera à mon goût, eh bien, ça n'a rien à voir avec la vie, tout ça. Ça, c'est avec quoi tu t'es identifié. Donc, pour moi, il n'y a rien qui vient de l'extérieur. Pour moi, il n'y a absolument rien d'autre que ce qui est vécu. Et c'est la seule chose qui existe. C'est ce que tu es, là. Et si tu restes avec ça, alors tu refais le monde. Déjà, tu refais ta vie. Parce que tu ne vis plus pareil, tu ne réagis plus pareil, tu ne te comportes plus pareil. Et à ce moment-là, ben, c'est ça qui va faire en sorte que les choses changeront. Mais on attend toujours que quelqu'un le fera? Non. Il y a quelqu'un là-bas qui viendra nous embêter? Non. Non, c'est nous sommes l'acteur de la vie qui coule à travers soi. Et la vie, c'est la seule chose qui existe et elle passe à travers toi. Alors si tu laisses passer ça veut dire que tu ne résistes pas. Tu n'essayes pas de t'accrocher à la vie que tu aimerais, à tous les petits péchés mignons que tu as, tout ce que tu as acquis, toutes les idées que tu as, tu les laisses. Eh bien, si tu laisses tout ça, qu'est-ce qui reste? Tu es rien. Et alors tu peux être rien. Et alors ce rien peut exister à travers toi. Et quand ce rien est là, mais t'as plus de problème. T'as que la joie d'être libre parce que t'as plus rien à faire.
Et tu es celui qui est là, qui met l'ambiance, qui ne critique pas, qui ne juge pas, qui ne demande rien, qui ne veut rien, qui n'attend rien. Et ce que tu es est un paquet d'amour. Tout le monde va en vouloir être comme ça. Mais aujourd'hui, si on critique quelqu'un, ben, l'autre, il ne sera pas content. Bien sûr, il ne sera pas content. Et bien, c'est ça la rivalité. C'est parce qu'on accuse. C'est parce qu'on n'est pas d'accord, parce qu'on est divergent. Chacun regarde midi à sa porte. Moi, je dis, vide-toi de tout ça et tu seras libre. Libre d'être ce que tu es. Et ce que tu es, c'est rien. Rien. Ce qui est intéressant, c'est que quand tu es dans cet état-là, tu n'as plus Oui. de compte à rendre. Tu n'as plus de compte à rendre ni au monde, Ça. ni à qui que ce soit autour de toi, ni même à toi-même. Bien sûr, Ouais. tu es libre, libre d'être libre. Voilà, Sans libre d'être que... libre. Et justement, tu parlais du terme réagir. Alors, c'est pas pour réagir, Mais... mais je veux dire, au-delà de ça, quand tu es dans ce détachement conscient, on va dire, Oui. par rapport à ce monde, tu vois, par exemple, certains grands êtres ont dit, ben, je suis dans ce monde, mais je ne suis pas de ce monde. C'est-à-dire qu'il y avait un état de conscience qui fait que l'être savait que le monde, dans l'état qu'il le voyait, n'était pas la projection de sa conscience, mais que c'était une conscience collective qui manifestait ce qu'il voyait et qui était, comme tu dis, en désordre parce que il y a différents niveaux de conscience, de croyance, différents niveaux C'est ça. d'identification, différents si, différents ça, et que tout ça, c'est pas harmonisé parce que ce qui harmonise, c'est le cœur, c'est l'amour, comme tu dis. Et c'est quand ton mental il est aligné à ton cœur et qu'il se fait la voix de ton cœur, que à ce moment-là, il y a l'autre, il est toi et toi tu es l'autre. Bien sûr. C'est-à-dire que tu l'acceptes tel qu'il est Oui. et toi tu t'acceptes aussi tel que tu es, même si tu sais que voilà, tu n'es pas parfait, l'autre n'est pas parfait non plus dans ce monde parce que ce monde n'est pas parfait. Et ça ne peut pas être le possible ici. Et simplement, il y a cette acceptation-là qui est présente, qui fait que tu te défais de cela. Et encore une fois, c'est quelque chose qui n'a plus d'emprise après sur toi. Et il n'y a plus de blocage, comme C'est tu le ça. dis. Et donc, effectivement, il n'y a plus de réaction non plus. C'est-à-dire que tu ne réagis plus à des Wow. stimuli Oui. extérieurs. Tu n'es plus dans la réaction, tu ne réagis même plus par rapport à tes propres élaborations mentales, C'est mais tu, ça. par contre, tu vis ce que tu es. C'est Et ça. ça, c'est important parce que tu n'es plus non plus à te juger toi-même, de dire, bon, voilà, bon, bah, peut-être que là, j'aurais pu faire mieux, bon, ce que j'ai dit là, c'était peut-être pas tout à fait vrai, tout à fait juste, ça aurait pu être plus comme ci, plus comme ça. Bon, là, après, tu vois, tu ne rentres plus dans ces jeux-là, mais tu t'inscris dans la magie de la vie, dire, bon, bah, voilà, j'avais un état vibratoire, j'ai un état vibratoire qui, je suis vivant. Cet état vibratoire aussi, ça change tout le temps. Ça évolue avec aussi la Terre, parce que nous sommes liés à la Terre. Nous avons un corps qui est fait de terre, de l'élémentaire, des éléments, et qui est aussi lié à notre Terre-mère, qui, elle, est aussi vivante, qui a des vibrations qui changent, qui sont un peu plus basses des fois, plus hautes, beaucoup plus hautes par moment. Et donc, ça influe aussi sur notre propre état d'être. On a des cycles, il y a des cycles qui sont cosmiques, il y a tout ça qui joue aussi sur la vibration. Et donc à ce moment-là, quand on est dans ce détachement, dans cette acceptation, eh bien, on se dit finalement, eh bien, les choses sont comme elles sont, et elles sont finalement comme elles doivent être, hein, en ce sens que quand nous on fait de entre guillemets, sans en avoir l'intention, mais je veux dire plus dans l'idée d'être dans un état d'être, on va dire faire de son mieux. Pour ne voilà sans en lâchant prise justement sur ce qui arrive,
lâcher prise, donc être dans ce Oui. détachement, eh bien à ce moment-là, c'est là qu'on se libère aussi effectivement de ces éphémères, de ces illusions qui ne font que passer, qui passent, mais la conscience, la conscience, elle est toujours là, elle sera toujours là, elle a toujours été là, elle est permanente, elle est immuable, et c'est la conscience de la vie, C'est ça. enfin, moi j'appelle ça Père-Mère, la source. Oui. Voilà, le Dieu, c'est Mais cette conscience que tu dis là, qui est là, qui est toujours là, effectivement, mais la conscience, ce que tu es, qui est conscient, ne peut pas être présent quand il y a une réaction. Okay? Parce que la réaction n'est pas consciente. Ça veut dire que tu as réagi à un certain niveau où tu as commencer à vouloir changer les choses qui sont. Mais tu ne peux pas changer, tu sais. Tu peux pas. Mais tu crois. Parce que tu as réagi. Tu as réagi compulsivement en disant, mais lui, c'est un ennemi. Il faut pas lui parler à lui. Parce qu'il fait des choses que j'aime pas. Donc, c'est des réactions. Nous avons tous ces réactions-là. Mais tu vois, la difficulté est là, maintenant. C'est de parler, de savoir, est-ce qu'on est prêt à regarder les choses qui se déroulent sans jamais réagir, sans jamais comparer, sans jamais critiquer, accepter ce qui se passe, sans dire que c'est bien ou c'est pas bien. Alors là, il y a une certaine liberté. Pour pouvoir faire ça, il faut déjà être libre. Libre de tout ce que tu penses. Tu vois? Et pour ça, je pense qu'il faut une grande attention envers soi-même, se connaître, pour voir quels sont les enjeux qui font qu'on décroche souvent. On n'est pas prêt à garder cet état où il n'y a pas de réaction. Parce que ce que tu es, la vie, ne réagit pas avec les problèmes. Les problèmes sont fondus quand la vie arrive. Il n'y a plus de problèmes. Les problèmes se fondent. Parce que tu es la vie. Et rien ne peut résister à la vie, au déferlement de la vie. Mais le problème, c'est que nous ne laissons pas cette vie passer. Parce que nous réagissons. Donc voyons tout ce que nous faisons pour empêcher cela d'être. C'est ça la difficulté humaine. Autrement, on le saurait depuis longtemps, depuis des millions d'années que c'est comme ça. Mais il semblerait que toi et moi, on puisse parler de ça aujourd'hui. On peut mettre ça sur la table pour de vrai. C'est quelque chose que moi, personnellement, je n'aurais pas pu parler de ça il y a 20 ans. Jamais. Je ne comprenais pas ça. Mais comment en est-on arrivé là, nous, la race humaine, aujourd'hui, que toi et moi, on puisse en parler? C'est parce que d'autres ont commencé à le faire. Et ça nous, c'est un impact, mais non pas dans l'apparence, dans ce qu'on peut toucher avec le doigt, mais c'est dans la conscience. La conscience est en train de changer parce que la conscience est beaucoup plus aguerrie de ce qui passe, de ce qui se passe. Parce qu'on est en train de s'apercevoir qu'on souffre. Et cette souffrance n'est pas normale. Et donc, tout le monde veut être bien, mais nos pensées prennent le contrôle. Moi, je dis, attends, si tout va pas bien, accepte. Accepte que tout va pas bien. Vis-le, c'est ok, c'est pas un problème. Tu es en colère, ben vis-le. Tu es tout seul, tu te sens seul, brimé, solitaire, ton mari t'a quitté, je sais pas, ton enfant est mort. Reste avec ça. Reste là, ne fais rien. Parce que dès que tu veux faire quelque chose, tu veux fuir cette situation. Et alors tu ne sauras pas qui tu es. Savoir qui on est, c'est savoir ce qui se passe en soi. Toutes ces émotions, toutes ces choses qui arrivent là et que tu ne peux pas contrôler et que tu veux accuser quelqu'un. Vis-le maintenant. Et tu verras que quand tu le vis, tu vas voir que tout ça, ce n'est pas une réalité. La vraie réalité, c'est celui qui est en train de le regarder.
Et celui qui est en train de regarder ça, il est en train d'opérer un changement. Il y a un changement qui s'opère. Il y a une transcendance qui s'opère dans les mœurs de nos sociétés. C'est en train d'arriver. Et qu'on aime ou pas, nous allons tous dans cette direction. Si quelqu'un dit, moi, c'est mon ennemi là-bas, mais tôt ou tard, il faudra que tu réalises que ça, c'est toi-même là-bas. Et notre destin, c'est d'aller dans cette direction-là. Qu'on aime ou pas, que difficile ou pas, la vie va nous y emmener. Soit volontairement, soit avec de la souffrance.